Salut les filles! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, ça va être pour vous montrer toutes mes fournitures scolaires. Donc j'ai fait mes courses hier. Donc je voulais vous dire aussi que j'ai acheté deux autres choses. J'ai acheté un pantalon, un jegging à Jennifer. Il est motif camouflage, kaki. Je vous mettrai le lien direct sur le site en barre d'infos, mais hier j'ai vu il n'y avait plus qu'en L, je crois. Donc sinon vous allez en magasin, il y aura sûrement, vu que je l'ai acheté que hier. Et j'ai acheté un pull à Auchan gris large. Enfin, si je trouve, je vous mettrai le lien, vous verrez tout ça comme il faut. Si je vous le montre pas, c'est juste parce que je les ai pas à côté de moi. Donc voilà, c'est tout pour ça. J'espère que la luminosité sera pas trop mal parce que ça fait 4 fois que je filme. Donc voilà, je vais commencer par ma trousse. Alors, ah oui, avant de commencer, je voulais dire que j'ai tout acheté à Auchan. Donc voilà, alors ma trousse, c'est une lollipop noire avec donc tout est rose, le reste. Donc c'est pas que j'aime trop cette trousse, tout ça, c'est juste que c'était la moins pire. Je voulais une toute simple, genre une toute noire ou une toute rouge pour assortir à mon sac. Mais bien sûr il n'y avait pas, ou alors elles n'étaient pas assez grandes parce que moi je mets plein de trucs dedans ma trousse. Donc voilà, je vous montrer tout ce que j'ai acheté qui est dedans. Donc déjà j'ai mon stylo encre, donc c'est comme ça un bille, pas plume, moi je préfère comme ça. Donc il est nacré, je trouve super beau. Donc pour aller avec, bien sûr il faut un effaceur, très intéressant. J'ai acheté une règle de 20 cm qui se plie. Voilà, enfin, qui est flexible. J'aime trop parce que à chaque fois, j'en avais une de 30 cm du coup qui rentrait pas dans la trousse. Et que du coup, bah, je le perdais dans mon sac et ça ne faisait pas du tout. Après, j'ai ça, un indispensable pour moi. Pardon, stylo bic, quatre couleurs. Après, bien sûr, une souris. Je l'ai acheté par 3. Un crayon de papier, très intéressant. Une gomme, encore plus intéressant. Voilà, j'ai acheté tout ça, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Après, dans ma trousse, j'ai aussi, pour faire des codes couleurs, comme je vous ai dit dans la vidéo des 10 conseils. Donc j'ai mes stylos Bic. Non, c'est des Stabilo en plus. Les stylos Stabilo. Donc toutes les couleurs, voilà, ils tombent, c'est encore bien. C'est super. Donc voilà, il manque le, voilà, il manque le rouge et le violet, enfin celui qui est entre violet et rose. Bon, c'est pas très important hein, vu que j'ai un stylo 4 couleurs pour le rouge et le violet rose, c'est pas super important, hein, pas se mentir. Après, pour les surligneurs, j'ai deux bics, comme ça, un jaune, un orange. Donc oui, ils sont super crades parce que ça fait longtemps que je les ai et dans la trousse ça se salit. Et un Stabilo, enfin de la marque Stabilo vert. J'ai aussi le stylo bic rose et bleu, bleu turquoise. Ah, et je me suis piqué avec mon compas. Donc un compas cassé avec, enfin il n'y a plus le truc là. Mais bon, c'est pas grave, des ciseaux. Un crayon, non, pas crayon, non. Un feutre noir qui peut être bien utile parfois. Et de la colle.
Voilà, bon, j'avoue que c'est pas super intéressant, hein, mais bon, je tenais à faire la vidéo et à tout vous montrer, donc voilà. J'espère que ça en intéressera au moins quelques-unes ou quelques-uns. Donc voilà ma trousse. Oh là, ça fait déjà 5 minutes. Alors, mon agenda, c'est un Fac & Co. Je sais pas si je tiens un noir. Oui. Ça fait Fac & Co comme ça, noir, tout simple, tout beau. Dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque page, il y a une blague, enfin, un dessin, un truc marrant. Là, dans le coin. Il y a des pages d'agenda, d'emploi du temps. Heureusement qu'il y a des pages d'agenda, vu que c'est un agenda. Donc, d'emploi du temps, il y a toutes les fêtes. Il y a les verbes irréguliers, enfin, tout ça. Donc, c'est pas mal. Après, j'ai acheté un classeur souple, vert pour la techno, tout simple comme ça, avec une pochette devant pour mettre, mettre la couverture. Après, pour le français, j'ai pris un classeur US Marshall, donc violet comme ça. Il y en avait aussi des gris comme l'intérieur. Je préfère le violet, moi. Je vais un peu vite parce que ça fait 6 minutes. J'ai mis 5 minutes pour vous montrer ce qu'il y avait dans ma trousse. Donc voilà. Un trieur bleu turquoise. Donc moi, je m'en sers pas du tout pour mettre mes cours. Je m'en sers que pour mes contrôles ou les feuilles volantes. Voilà. Et après, c'est que des cahiers. Un gros cahier comme ça, un gros avec 192 pages pour les maths parce que j'en prends 2-3 par an et je préfère en avoir un gros parce que au moins j'ai tous les cours de l'année sur mon cahier, même si c'est plus lourd, même si c'est plus lourd, je préfère ça. Et 4 cahiers comme ça. Et pour cela, pas pour le gros parce que c'était trop cher, mais j'ai opté pour le plastifié. Parce que je trouve ça plus pratique que d'avoir les protège cahiers qui se barrent à chaque fois, qui se déchirent, enfin que je déchire. Hein. Je déchire pas tout seul, mais bon. Voilà. Et pour finir, 3 petits cahiers comme ça. Il y en aura un pour faire cahier de brouillon et sûrement les deux autres pour les fiches de révision. Voilà. Pour tout ce que j'ai acheté hier, et je voulais aussi vous montrer mon sac, donc c'est un e-sac rouge comme ça. Voilà, c'est la deuxième année que je vais le prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la liker avec le pouce vers le haut, commenter si vous avez des questions ou pas, enfin. Et si on vous plaît, Augustine et moi, à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Salut !